nous parler les États-Unis d'Amérique avec Stanley, que nous parlons commenter ensemble avec lui. Et surtout, ça qu'a fait dans le centre d'établissement, et hier, nous sommes arrivés dans le centre d'établissement, ça qui vient de rentrer là, dans le centre d'établissement, côté notre sang même, waouh, dans le centre d'établissement, il y a pile d'informations qui sont rentrées, faut dire que nous sommes. Bon, tout d'abord, Happy Thanksgiving, et ici aux États-Unis, tout bagaille net fermé. Et tout le monde en famille, c'est ça, la fête de la grâce, et pour dire merci, et pour tout bagaille bien qui arrive pendant l'année. Mm-hmm. Donc, c'est une fête qui est très célébrée aux États-Unis. Donc, n'a dit tout le monde qui est dans la diaspora, capitaine des radios, Storm Matin, Happy Thanksgiving. Bon, moi-même, l'aime garder, parce que conformément à l'article 169 du décret électoral là, Oui, Stanley, écoute, avant d'aller plus loin, Stanley, nous devons partager cette information, ça, que nous joignons hier dans le directeur centre d'établissement, qui c'est Monsieur Robinson Chérilis, et qui était ban nous, non seulement ban nous règlement, et c'est Monsieur traitement des procès-verbaux, il était ban nous petit, résultat, ça, pour PVO, gain 11,649 qui rentre pour président, pour tiers sénat gain 11,500 qui rentre déjà et sénat et partiel l'a gagné 2,453 pour député gain 2,248 pour magistrat gain 54 c'est ça qui a gagné depuis hier qui est déjà rentré dans centre d'établissement on regarde pour nous ouais on met avancé dans ça qu'on t'a pas avancé à Stanley. Bon, et premier bagage que m'a fait et forme féliciter nous, même dit nous-mêmes, c'est pas seulement Radio Storm, un journaliste Radio Storm, mais tout journaliste pays. Parce que pour processus. Oui, allô? Allô? Allô Stanley? Oui, allô? Nous avons perdu contact avec Stanley, n'a pas refait contact encore avec Stanley, non, pour nous capables de faire commentaire sous question centre d'établissement. On refait contact encore. Mais là. Oui, allô? Oui, vous avez perdu communication. Oui, nous avons perdu communication. Donc, dans ce sens, il faut féliciter tout journaliste pays d'Haïti, parce que transparence est très important pour réussir démocratique. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, conformément à l'article 169 du décret électoral, là, nous n'avons pas capable de résultats officiels, mais nous avons les projections en fonction de balles qui sont plaquées devant chaque bureau de vote depuis jour. Élection finie dans dimanche soir. Nous avons fait des projections tout avec statisticiens et spécialistes en sciences politiques que nous employons pour Radio A qui apprend tout procès verbal qui est sur le website sur KEPA parce que KEPA a posté tout procès verbal. Conformément à l'article 169 de la Constitution, nous avons fait des projections des résultats, mais nous n'avons pas fait des résultats officiels. Tout à fait. C'est un bon bagage qui est lié au processus électoral. Une suggestion que m'a fait matin, c'est que les conseils électoraux là permanents fin monter et nous allons faire prochain élection yo, l'état bon que depuis qu'il y a chaque radio bon plan ou bien plusieurs radios mettent tête ensemble pour joindre 3 ou 4 sponsors qui cabaille à peu près $100,000 américains pour processus électoral là et sous base $100,000 américains ça employé soulevé et des journalistes qui sont présents dans chaque bureau de vote, employés des statisticiens, des spécialistes en sciences politiques et en droit, qui permettent nous, en fonction de procès verbal que nous ramassons dans chaque bureau de vote, et bien, depuis jour soirée élection, nous ne pouvons pas avoir le résultat officiel,
mais même Jean CNN, Fox News, MSNBC et toute télévision faite aux États-Unis, nous projeter qui monde qui gagne pour président, pour sénateur, pour député, en attendant que CEPA bail résultat officiel. Donc ça a son bail pour nous commencer à planifier depuis qu'il y a pour l'élection qui a fait dans 4 ans. Okay. Deuxième bagage que m'a dit matin, ça veut dire que sous base à peu près 9000 procès verbal que moi-même personnellement, moi traité à équipe, je dois faire des projections. La première projection, c'est que dans 9000 procès verbal qui traitent seulement pour le président, Jovenel Moïse à 60%, Jude Célestin à 18%, Moïse Jean-Charles à 12%, Maryse Narcisse à 6%. Ça veut dire que Jovenel Moïse gagne deux bagailles qu'il fait dans l'élection. Premier bagaille là, il fait des cabesses. Ça veut dire que quel 50 plus 1 ou bien quel 25% de différence avec candidat qui pipe là, le président d'Haïti en matière de projection ça. Deuxième bagaille qu'il fait, qui peut que j'en fait depuis 1990, ça veut dire que nous connaissons, nous faisons élection pour président en 90, nous faisons élection pour président en 96, nous faisons élection pour président en 2006. Et nous faisons élection pour président en 2010. C'est la première fois que mon candidat à la présidence peut gagner tous les 10 départements géographiques. Ça n'a pas de jambes faites en vent dans toute élection qui passe. Donc, dans ce sens, ça, même pas que projection, ça a eu, l'aime font analyse de vote là, moi que résultat que nous avons gardé aujourd'hui, son révolte du pays en dehors. L'aime dit révolte du pays en dehors, allez dire que paysans, moun binon vilio, nèg à femme classe moyenne qui gagne diplôme, et vous regardez pendant 30 ans qui se passe, vous avez une série de moun chansonnant pouvoir, moun yo, non seulement vous n'avez pas réglé rien, vous fait la vie, moun qui malheureux, moun qui vivent dehors, moun qui n'en bidonville, même classe moyenne qui gagne diplôme, moun sa yo que nous te baye pouvoir pendant 30 ans, vous fait la vie, nous vin plus difficile que j'en te yon avant. Ok, bam du Stanley. Votre ça a représenté une révolte du pays en dehors. OK. Et OK, très bien, m'tendez ça dim là, mais ou gon traitement que ou fait dans ça que ou prend ça sur site là. Mais et pas conseil électoral là parce que nous connaît que gagne pour passer l'arrivée dans centre d'habilitation gon côté qui rete c'est qui relé numérisation côté que yo pral rentrer son système après ça yo pral dans saisine c'est là ça l'arrivée dans saisine si toutefois que yo gon petit problème yo pral voyer yo dans côté dans section qui gagne avocat yo seul bagage pour nous faire attention de li et gayo d'Ossainville te volé 37 postes députés à 5 postes sénateurs nan éliminer abusivement sa relé et procès verbal. Voilà, c'est ça pour nous faire. Avec dit que même conseil électoral yo doit établir des critères techniques très clairs sur qui base pour yo éliminer ou bien qu'un bon procès verbal. Mais question que nèg yo en fonction de amitié politique yo, même j'ai yo fait là avec Ogrin Pierre là. Il a l'annuler des procès verbal de façon abusive et antidémocratique. Pas que personne qui a pris pour ça, je ne le dis pas. Et c'est pour ça, moi-même, ça que Bellan, soit sur le website KEPA, où est tout procès verbal, où est dans tout procès verbal, 99% là-dedans, en bonne santé. Donc, on va voir qui gens qui n'est pour l'annuler des procès verbal de façon abusive. Donc, pour moi-même, et l'offre analyse de processus là, il y a une bagaille pour nous renforcer. Qui j'en pour nous garantir que dans la prochaine élection, les noms devant bureau et puis le plaque est soumis, leur rentrer dans la liste de démargement ou vivre joint non. En même temps, tout, il faut améliorer tout le fait que les policiers et mandataires qui sont dans le bureau de vote, il y a quelques cadres qui ne peuvent pas voter dimanche, et bien, il faut que la prochaine fois, ça va arriver. Au niveau sécurité, je crois que le travail qui est fait là extraordinaire. Au niveau de la presse, le travail que nous faisons pour garantir transparence processus là pour que ni monde dehors ni monde candidat KEPA pas faire magouille faut continuer travail de transparence et de vigilance là en même temps tout en tant que membre de la presse commencer planifier pour faire élection dans 4-5 ans pour nous joindre sponsor pour nous garantir que projection du New York plus précis à cause de infrastructure électorale que nous va mettre mais pour nous faire ça faut nous joindre 4 ou 5 sponsors qui ca permettre probablement que nous employons plus journalistes qui sont présents dans tout bureau de vote. L'autre bagage que m'a suggéré matin,
un seul incident qui passait qui ban nous la peine. Avec dit que des chimères al bouler marchandises, ti marchand qui était dans marché frais, marché cocoyer, ti marchand n'a fin pour un pont à 29-32%, yo bouler marchandises li, je ne jodi a ti marchand ça, li pa bien décembre, li pa bien Noël. Moi-même, m'ta suggéré que monsieur chambre de commerce yo joigne 5 moun. Chaque moun sa yo doit bay $2,000 américains pour un total de $10,000 américains. Mais au fin de 10,000 $américains, ça met ton publicité dans la radio avec un numéro de téléphone, la police, qui dit que moun qui bat information pour joindre moun qui boule marché ça, il y a bal $10,000 américains. Bon, garantie, en moins de 48 ans, n'a besoin de moun qui te boule marché. L'autre bagage encore qui m'a suggéré, même nèg qui t'a habitué tous les journalistes dans le passé, qui t'a habitué boule radio, à cause de l'effort que le journaliste a fait pour améliorer la transparence du processus électoral là, pour moun pa bay menti et gâter l'élection, nous, nèg sa yo, non seulement menacer journalistes, menacer pour les radios, il y a même de tirer devant l'autre radio. Je ne j'ai dit à même penser que l'association journaliste yo doit rencontrer ensemble pour yo sortir une communauté très claire et plusieurs secteurs dans la société, la chambre de commerce, société civile et la trier, nous pas doué tolérer qu'aucun journal et qu'aucun secteur politique vienne faire menace sur journaliste pour yo altouyer journaliste, même j'ai été touyer Brignol Lindor, même j'ai été touyer Jean-Dominique, même j'ai été touyer journaliste Jacques Roche. Bagay ça au pas cadré à démocratie, yo violé la convention interaméricaine des droits de l'homme, yo violé la charte démocratique, yo violé la constitution du pays et des mêmes radio que les radios de Timoun, qui n'ont pas accompagné la violence, la radio ça a violé la Convention des droits de l'enfant. Bagay ça, nous ne pouvons pas tolérer parce que nous ne pouvons pas cadrer la démocratie. Ok. Et en nous voyons l'autre paramètre dans les questions et centre de tabulation et surtout dans la question résultat. Vous connaissez dans la Constitution, il y a des calculs pour qui fait que on moun nou élu comme président ou bien comme député comme sénateur c'est premier c'est 50% plus 1 et deuxième nan li dit c'est 25% par on rapport on dit différence de 25% quand oui, il y a qui vini... voilà et pour ça mais... nous dans calcul statistique Jovenel Moïse fait des cabes en fonction de projection qui par résultat officiel OK tant moins par résultat officiel qu'il fait à peu près 9000 procès verbal fait des cabesses dans les deux cas, le président depuis le premier temps. Pas de danger. Mais conseil électoral. C'est pas réflexion. Oui, partiel. Très bien. Mais conseil électoral et au point, l'ité kembe 25% par rapport à mon qui est fini et comme poursuivant. Mais conseil électoral, ça lui-même, il vient avec une autre méthode de calcul dans la question de pourcentage. Il dit 25%, c'est 25% de vote. Yo. Ensemble de vote yo a dit que ni vote ni moun ki vote blanc ni moun ki vote pour candidat tel c'est là fin fait toute population bon mettre à l'aise oui bon mettre à l'aise quelque soit magouille que nèg yo fait là et souvle ou bon président depuis dans premier tour en fonction de projection que me fait sous base près de 9000 souvle et pour serveur bal et facture dedans 9000 pour serveur bal qui me gère traité yo. C'est pas même dans la zone que Jovenel Moïse fort, et c'est dans la zone que nous t'es supposé qu'elle t'a perdu. Okay. Et puis, l'organe que M. Rivegain, même si des, l'organe que Jean M. Calé, bon, pas bon exemple qui sont gros indicateurs. Entrer dans, Algade, parce que, pour ces verbales, ils sont disponibles sur le website KEPA. Oui, moi, par exemple, pour ces verbales, lycée Jean-Marie Vincent, qui a peut-être 400 mètres Kay Jean-Bertrand Aristide, ça veut dire fief Aristide côté Aristide voté. Même dans le bureau de vote, ça, qui gagne, dans le centre de vote, ça, qui gagne plusieurs bureaux de vote, Aristide et Marise Nassis, pas même gagne, on gagne bureau de vote, non? Ça montre à qui point n'est-ce que vous avez l'élection. Ok. Oui, ça veut dire que, et calcul que moins dit ou là, et l'a toujours bail, et on considère élu depuis le premier tour, parce que question 25%, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de. N'est-ce que vous fait? Calcul légal, qui c'est calcul 50+1. Ok. Ou bien calcul 25%, dans calcul légal là, et qui c'est fait des cabesses, Jovenel fait des cabesses, ça vient depuis dans le premier tour. Ok, par exemple. Mais qui entre dans calcul magou bien, par le deuxième tour. Ok. Mais en nous, on est dans le traitement pour ce balio.
Là on va le faire traitement yo parce que gagnant yo yo va le dire on va le mettre à côté et parce que gagnant ensemble de et conditions et pour capable comptabiliser on pour se mettre à l'aise encore. Même si nèg yo a fait magouille, yo éliminer 50% pour se verbal et Jovenel Moïse j'ai toujours président de vina premier tour. Ah ouais, bon. Ouais, mettre à l'aise. Ah bon? Ou pensez même pas mon bagage, son spécialiste en développement politique kenyan. Observer élection en Amérique latine, dans Caraïbes là, en Afrique, en Afghanistan, au Moyen-Orient, écrit 58 rapports pré-post électoral sous processus électoral haïtien depuis là nous t'a fait référendum pour ratifier constitution 87 là en passant par les élections du 16 décembre 90. En passant par les élections du 25 juin 95, élections décembre 96, 6 avril 97, élections 21 mai à 26 novembre 2000, élections 2006, élections 2009, élections 2010, élections 2015, pour les journées aujourd'hui. Okay. Donc moi-même, je parle avec vous, nous sommes 25 ans à travailler dans le domaine ça. Je vais vous mettre ça au jour au président depuis le premier tour. Ok. Stanley? Allô? Par rapport avec le dernier dimanche mois d'octobre là qui pas respecté à ça pour le mener dans route là pour 7 février à violent encore. Ou pensez violer décret électoral là avec constitution li ka pose un problème pour monsieur Sao et si toutefois li ça. Qui sa population qui t'est sorti à voter pour pas même gagner deuxième tour supposé faire. Bon, et chiffre pas bay menti dans démocratie. Et pour ça dans démocratie, c'est pas parole qui prend compte, c'est chiffre. D'ailleurs, il y a un homme qui m'a invité, professeur qui n'a inagé, professeur qui n'a droit, ou bien étudier statistiques, m'a invité professeur, bah étudiant de voir, sous base, pour ce verbal, ça, qui, sous website KFPA. M'a dit tout, bon, grande majorité des sénateurs qui passaient, des sénateurs PHTK qui ont tout. Donc, ça veut dire que son bel jeu électoral pour PHTK qui est. Donc, les professeurs, vous étudiants qui n'ont faculté de droit, étudiants qui n'ont relation internationale ou sciences politiques dans l'INAGE, ou bien étudiants qui ont fait mathématiques ou statistiques, les professeurs, bah, étudiants, ça a eu deux voix sous base et pour ces verbales qui déjà chita pour sénateur, pour député, pour président, sur website KFPA, c'est préparé, qui a préparé des experts pour nous qui ont travaillé en tant que KFPA. Pour moi-même, et n'a pas président sans problème qui a prêté seulement le 7 février, et l'aime garder les résultats, le Parlement n'a pas de problème pour l'entrée le deuxième lundi de janvier. Ok. Et bon, en regardant l'autre cas de figure, Jean-Larue, surtout dans la capitale Port-au-Prince, côté que Gampil de déclaration incendiaire qu'a faite, Gampil et Moun qui dit si c'était pas un tel déchoucage ou bien révolution, Gampil Moun qui dit tout. Pas capable de deuxième tour parce que tu as gagné 6 candidats potentiels, pas de personne qui a gagné dès le premier tour. Et il y a pile diversion qui a joué là dans le centre d'établissement. Il y a des gens qui ont parlé de bon petit cop qui a baillé dans le centre d'établissement pour gagner un deuxième tour. On regarde pour nous, si toutefois que vous dites, quand ça qui est élu depuis le premier tour, qui sont pensés qui est arrivé dans la capitale en termes de désordre? Et plus gen moun kal fè menace de violence pour bien y'a tirer, j'ai tiré devant radio Scoop FM pour kapone journaliste kap fè travail yo ou bien pour comprendre yo ka tué journaliste même j'ai tué Brion Lindon même j'ai tué Jean-Dominique ou bien même j'ai tué Jacques moun sa yo c'est temps yo qui a perdu et c'est tête yo qui a isolé parce que démocratie a pas cadre à violence même gens militaires avec coup d'état pas ka kembe. Même j'ai attaché par Kakembe, un accord populiste qui n'a violence par Kakembe. Donc ça, m'a garanti ça, pas aucun problème. Pour faire comme quoi parler, moi-même, moi, pas un problème. Et on est prêt comme vous. Un chiffre, pas un mentir, pas changer de chiffre, mettre son vlog, pas changer de chiffre. Parce que qui sont élections, c'est votre qui est compté dans 19 communes, département Nord. C'est votre qui est compté dans 10 communes, 34 sections communales dans le département Nord-Ouest. C'est votre qui vous comptez dans chaque commune et dans chaque département pays. Et les fins comptez, li bay combien de votes que chaque monde fait. Donc, on est, on forme, on prend responsabilité, on prend l'argent pour comprendre nous qu'à éliminer vos verbales, ou bien qu'à marcher sous votre peuple-là, même pour garantir ces pénitenciers nationales qu'on abattait. Par contre, travail normal, et c'est pour ça l'État pays,
pour compter votre monde qui gagne ou dit gagne monde qui perd yo yo prend ça yo garder yo perdit même que madame Clinton qui perdit aux États-Unis il prend téléphone ni il relait Donald Trump il félicite Donald Trump il reconnaît que l'île perdit après ça dans son conférence pour la presse il dit il perdit il demande tout peuple américain supporter nouveau président qui monte à parti démocrate là qui perdit Koulia qui ça l'a fait eh bien qu'est-ce des bagages qui parti politique Parti démocrate là qui perdit l'élection aux États-Unis a fait. Premier bagage qu'il a fait, l'a analysé pour qui ça a perdu l'élection. Parti démocrate là ouais que bon série de travailleurs sans diplôme qui était qu'on travaille dans factory à cause du travail qui était qu'on vend dans factory a, il était qu'on voit petit que l'école, il était qu'on construit caillou, acheter machine, des assurances santé et voyager les ouvriers pour vacances. Parce que les États-Unis perdent tout travail ça, eh ben travailler sans diplôme, ça a été frustré. Et c'est pour ça qu'on s'est dit des États qui étaient voté démocrate, tant pour Michigan, tant pour Pennsylvanie, tant pour Wisconsin, parce que travailler ça a été démocrate qui n'a pas occupé, il a voté pour Donald Trump. Donc ça veut dire que le parti démocrate là commence à comprendre pour qui ça a perdu l'élection. Pendant que vous finissez de comprendre ça, il y a deux autres bagailles qui ont passé dans le parti démocrate là. Premier bagaille là, au niveau congrès, ça veut dire chambre des députés là, yo pral fon élection pour est si yo ta changé leadership parti politique démocrate là qui fait que en dans chambre des députés yo perdu élection en dans parti démocrate là tout monde Clinton yo qui t'en mettez de côté yo pral faire élection pour venir avec nouveau leadership dans tête parti démocrate là et c'est pour ça journée aujourd'hui a et parti politique qui perd yo tant que famille Lavalas tant que la paix tant que l'autre parti ça yo yo pral identifier pour qui ça a perdu l'élection et sous base raison qui fait que yo perdu l'élection yo pral garder qui moun nan parti politique ça yo qui mieux placé pour venir dans tête parti a pour commencer préparer parti a pour nouveau élection et permettre que les nouveaux élections vini yo gon nouveau leadership yo gon nouveau vision nouveau programme qui plus cadré à peuple là qui ka faire gagner élection yo donc c'est ça nous pral garder aujourd'hui a donc question des nèg qui paraît nèg comprendre yo ka vinn faire violence intimidation. Ça veut dire tout que moun sa yo yo pa konn ki jan démocratie a marché. C'est même Jean Loal dans championnat football. Équipe a perdu, on va regarder est-ce que c'est entraîneur qui pas de bon, est-ce qu'il y a des joueurs qui pas de performance, est-ce que c'est stratégie équipe là qui fait que il perdit championnat football là. C'est comme ça démocratie a marché Loal dans élection. Équipe là son parti politique et capitaine équipe là qui dans tête équipe là, c'est peut-être candidat à la présidence là avec mon capteur campagne électorale là. Koulia, ou fin perdit l'élection, ou va le garder pour qu'il soit perdu. Mais Koulia, ce n'est pas seulement pour processus électoral là pour nous garder qui est-ce qui perd, qui est-ce qui gagne, qui ça doit faire, pour nous garder toute transition. Ça veut dire que pendant que je parle avec vous là, en tant que président de facto river, vous devez commencer à mettre en place une longue équipe de transition. Équipe de transition qui ça va le faire, pour avoir une équipe économique, qui gagne ministre finance dans la donne, qui gagne ministre commerce à la donne, qui gagne gouverneur banque centrale là et la trier directeur de DGI. Il va parler des briefing book pour le nouveau président qui a vient monter à pour que il y aurait même une équipe de transition président qui a monté à et on sorte de briefing pour dire mais sa situation économique pays a yé mais qui ça qui a marché mais qui ça qui a quelques problèmes et mais qui ça qui gros problème. Il va préparer tout pour une équipe sociale de transition dans l'état. Dans l'équipe sociale là où gain monde qui travaille sur éducation, monde qui travaille sur santé et la trier et il va préparer dossier l'état qui situation éducation, combien, comment contre l'État yoye, qui situation santé a, tout l'autre dossier social yo. Et comment bah elle a yé dans le ministère des Affaires sociales, comment lié dans l'éducation nationale, comment lié dans la santé publique. Donc, briefing pour ça permettre que l'équipe de transition comprenne qui sa capitaine yo l'a monté sous pouvoir le 7 février et sous l'été 2017. Et yo pral râler sous cyclone Matia. Comment cyclone Matia crase l'agriculture, comment situation y est dans le domaine de l'agriculture, de la sécurité, tout côté. Mais tout briefing book ça, au fin préparé dans l'État, je vais remettre briefing book ça, par équipe de transition que le président élu a choisi. Pendant que le président élu a travaillé sur le dossier l'État, pour garder par rapport au programme qu'il était pour mettre peuple là pendant la campagne là, et par rapport à sa réalité, comment pour yo recadrer approche les hauts pouvoirs. Pendant qu'il a fait ça, il a défini des critères sur qui objectif pour chaque ministère, profil de monde qui doit aller dans chaque ministère. Okay. En fonction de Jean-Président Elia voulait gouverner, il va regarder qui coalition pour monter.
mais ça il va parler avec sénateur et député. Il va parler à sénateur avec député sur deux bagailles. Il y a élection qui va le faire dans bureau Sénat avec chambre des députés en janvier, président Elia depuis qu'il y a la chita à parlement. Bon gain pour Sénat pour Stanley. Et ti information m'a ba ou pour Sénat getan gen deux candidats potentiels là pour Sénat. C'est Yuri Latortu avec Evalier Beauplan. Bon, même pas rentrer dans détail qui est capable candidat et c'est l'un ou fin garder parce que me connaît au moins et bon ensemble de sénateurs qui est en élu. Donc qui j'en balance dans pralier dans Sénat, qui j'ont ca ton leadership parce que ça qui est important pour pays là, c'est pas personnalité. Ça veut dire que question qui est important pour pays là, qui j'en que ou ca ton leadership dans Sénat qui ca fait que Sénat pas bloqué. Parce que son Sénat est bloqué. Dans 4 ans qui sont passés, avec 5 sénateurs en agro-mobilisme qui ne sont pas de quorum, budget pas de voter, loi pas de voter, rapport de contrôle pas de fait. Depuis que 50e législature a prêté serment, chambre des députés a pas de performance, mais Sénat a bloqué. Donc, il faut que nous ayons consensus, parce que l'élection qui message qu'elle voit, le pays en dehors révolté, le pays en dehors bloqué, Sénat suspend bloqué pays. Le pays en dehors bloqué, sénateur, Jean Constitution, Bayoul, il y a des côtés. Il y a d'accord, président, il y a des côtés. Il n'y a pas d'accord. Donc, il faut une capacité de gouvernance pour délivrer aux populations qui vont dans le Sénat. Okay. Politique de blocage, qui a crasé l'économie pays, qui a crasé le dossier social, il n'y a pas continuer. Et c'est pour ça, dans l'équipe de transition président élu, il y aura discuter avec le sénateur pour jouer un modus operandi pour le Sénat qui travaille. Modus operandi, il veut dire que modus operandi, il veut dire que ça, il faut que le Sénat. Et quel que soit le problème politique qui vient, il faut continuer de travailler. Dans voter des lois, voter budget, faire rapport de contrôle. Et le Sénat républicain, il a un problème avec le président Obama, ça n'a pas empêché de voter des lois. Ça n'a pas empêché de voter budget pays. Ça n'a pas empêché de faire rapport de contrôle. Même Jean-Tout, mon nouveau Sénat, mon nouveau chambre des députés qui a monté là, côté républicain, il a un contrôle, mais on sait des lois pour le voter. Je voulais vous dire, il y a une différence. Lorsqu'on est homme d'État, ou femme d'État, qui est sénateur ou député de la République, quelle que soit opposition qu'on gagne, il faut que loi continue à voter, il faut que budget continue à voter, il faut que rapport de contrôle continue à faire. Ça veut dire que chaque commission doit faire un rapport de contrôle chaque 3 mois. Il dit que le ministère de l'Agriculture a marché, le ministère de la Santé publique, le ministère des Affaires sociales, quel que soit le ministère, c'est ça qui va le forcer, le ministère fait travail. Donc, l'équipe de transition prend le chita avec le Sénat, avec le député au non-retraite, pour définir la gouvernance des 4 prochaines années pour garantir qu'il y a un minimum qui délivre. Blocage inutile, ça, politique de la terre brûlée, pas rien qu'il va le pays. Donc, c'est pour ça, l'important tout, pour nous analyser, pendant qu'il n'a pas analysé les résultats de l'élection, pour nous analyser, est-ce qu'il y a transition, comment séparer, dans l'État, côté tout responsable de l'État, à préparer briefing book sur l'état de la nation, qui va le remettre par l'équipe de transition président élu. Pour y aller, il y a fini de faire travail avec Sénat, ça, avec chambre des députés, équipe de transition, en fonction d'objectifs que le définit pour les 6 prochains mois, pour chaque ministère, et qui profil au ministre doit gagner, il y a pral pour y faire recherche en fonction d'alliance politique, pour y avoir 5 noms pour chaque ministère de qui monde qui a fait travail, ça, qui définit pour 8 prochains mois. Tout bagaille, ça, est important, et c'est qu'on soit construit en démocratie. Ok. Sandé, en nous, on t'y bagaille pour nous finir. Comment vous comprenez, après cyclone dans la côte sud, le regard des pourcentages dans l'élection, il y a plus de monde qui sont à voter. Ça est manifesté ça. Bon, mon yon, en fonction des situations économiques, le plus tôt que vous mettez un gouvernement constitutionnel, c'est le plus vite que y a résolu le problème que vous avez. Faut pas oublier, rapport préliminaire et 215 pages là. Non, et qui ça a écrasé montre que nous perdit 2 milliards de dollars américains. Rapport final là, probablement à 3 milliards. Imaginons un cyclone crasé 6 départements géographiques pour 3 milliards de dollars américains. Département qui puis affecté, c'est département Grand Anse et département Sud. Département qui moyenne affecté, c'est département Nid et département Nord-Ouest. Département qui légèrement affecté, c'est Sud-Est et l'Ouest. Avait dit, donc, on tout ensemble, il perdit 3 milliards de dollars américains. Pour les gens qui sont dans le gradus, on a dit qu'il perdit Kali, il perdit Jardin, il perdit Cabritli, il perdit Poule, il perdit Bœuf, il perdit Cochon, il perdit Millet, il perdit Cheval, il perdit Bourrique. Les gens, ça a tout, longtemps, il y a eu un cyclone qui passait, il y a eu un pied-lame véritable,
il était gonpié zaboka, il était gonpié mango, il était gonpié cocoyer. Tout que bois ça écrasé. Dans le domaine des arbres fruitiers seulement, nous payons 114 millions de dollars américains. Dommage total au niveau de l'agriculture à 850 millions de dollars américains. Alors que récolte pour cacao et café, nous perdons du récolte cacao et café 2016. Nous avons perdu tout récolte cacao et café 2017. Alors que si le ministère de l'Agriculture commence à travailler depuis le mois de novembre dans le domaine cacao et café, c'est juste en 2018 que nous allons récolter. Bagay ça n'est pas joué. Alors que si je suis là, montre que mon série de mon grand dans le sud, dans le Nip, dans le nord-ouest, particulièrement dans le Bombardo Police, dans le Saint-Nicolas, dans Jean Rabel. Ou bien bon série de moun nan sites sont partis dans le sud. Moun sa ou frem, c'est ma série qui va le monter. Et si le gouvernement n'a pas commencé, met un programme de reconstruction économique rapide, côté si grand écrasé, augmentation de la migration, exode rural, de province côté si grand écrasé vers Port-au-Prince, va l'augmenter de 900%. Et migration, moun sa ou qui n'a grand goût, d'Haïti vers l'extérieur, dans 8 mois qu'à venir, va l'augmenter de 600%. Donc, je vous dis, le plus tôt que nous avons un gouvernement constitutionnel qui a vu un travail sur le dossier économique ça, et de reconstruction, le plus tôt que lié. Et c'est pour ça, ouais, à n'importe quel pays qui voulait faire violence, il n'y a pas compris dimension, problème économique, social et grand goût, que malheureux à vivre. C'est pour ça, on a compris ça, toujours à plaguer l'ombre, garder l'ombre, et les faire violence. Ok. Eh bien, nous disons merci Stanley. Léa déjà arrivé, nous bien content pour ti et. Paoli ça seulement nous connaît que dans weekend et tout bagaille a fin prêt pour et sans détablation pour résoudre parce que le commencer tomber et moi souhaiter et bayo papa aller différent de procès bal qui rentre yo mais seulement ça que moi me constater dans PV ça yo c'est moi même qui vous remercie moi espérer que tout le monde t'attendé après non bagaille tout haïtien qui dans diaspora qui vit aux États-Unis yo. Moi souhaite nous même à tout le monde nous on happy Thanksgiving on continue discussion politique là sur Twitter @StanleyLucas01 ou @commercial_StanleyLucas01 ou bien sur page publique moi qui sur Facebook côté publier toutes données yo page publique moi sur Facebook bon photo on met avec un drapeau sous lui avec une petite photo moi en caricature monsieur bon Dieu bénis nous et puis courage avec détermination continuez faire travail transparence que démocratie a mandé rôle la presse. C'est un chien de garde qui l'apprécie. La presse pas n'a menti. Il baye bagayou, chan yo ya. Pas prendre un carbonage, continuer ce travail démocratie. D'accord, merci Stanley. Bonne fête aussi. Ah ben, nous sommes arrivés dans la fin.